conçu la gare monumentale de Wuhan en Chine et battu le record du monde de vitesse. Les ingénieurs SNCF font partie des meilleurs. Le groupe SNCF recrute à peu près 800 cadres, dont environ les deux tiers sont des ingénieurs. Les ingénieurs sont des gens et des futurs candidats très courtisés et le marché de l'emploi est très tendu, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Notre objectif, attirer l'attention de l'élite des écoles d'ingénieurs françaises. Pour développer l'attractivité du groupe SNCF, parce que ces métiers d'ingénieurs sont totalement méconnus. Et enfin, je dirais, pour faire connaître également les parcours professionnels que l'on offre à nos jeunes cadres. Notre idée, leur lancer un défi presque impossible à relever. La première idée, c'est le Serious Game online, donc sur le web, qui sera jouable à la fois sur un ordinateur ou sur différents autres devices comme iPad ou mobile. On a déjà fait un Serious Game Défi Ingénieur 1 il y a 2 ans. Et pour l'agence, l'enjeu, c'était de faire une deuxième version qui soit encore mieux, qui réinvente la première. Nous avons touché essentiellement des écoles d'ingénieurs via des Facebook Ads, des événements dans les écoles directement. Le Défi Ingénieur, le jeu vidéo le plus difficile jamais conçu. Une mécanique très simple, une tour de 10 étages, un niveau par défi, et à chaque fois vous montez pour arriver au 10e étage pour gagner le jeu. Ce sont nos ingénieurs qui ont construit ces défis. Concevoir un TGV Ouigo, synchroniser le trajet quotidien d'un million de voyageurs, ou battre le record du monde de vitesse. Paris est absolument réussi, puisque nous avons augmenté considérablement notre visibilité sur les différents médias. 80 000 visiteurs uniques, 145 écoles en compétition qui représentent 80% des écoles d'ingénieurs. C'est plus de 5 000 candidats qui ont joué. Alors au final, c'est effectivement 350 finishers, c'est environ 400 CV collectés et un recrutement de 10 collaborateurs. Et si j'ose m'exprimer ainsi, c'est la cerise sur le gâteau. Nous avons attiré, capté des gens qui, spontanément, ne seraient pas peut-être venus postuler chez SNCF.